Pour vous aider à maîtriser vos émotions à l'approche du bac, nous allons avoir recours aux mêmes techniques que celles utilisées pour soulager la femme enceinte et faciliter l'accouchement. Tu fais la fille ? Mais on tira pile ou face. Hein. Oh, chut ! Alors, fermez les yeux et laissez-vous porter. La femme enceinte, tout comme les lycéens, est confrontée au stress. Stress de ne pas assurer, stress d'accoucher, mais surtout stress d'échouer. Moi, quand je suis née, j'avais une tête tellement chelou que ma mère, elle a cru qu'elle m'avait raté. Et finalement, elle s'est habituée. Ouais, on s'assume. Bon, taisez-vous. Le travail de la femme enceinte, tout comme le vôtre, va se baser sur une respiration profonde qui va réoxygéner les glandes endocrines. Et des glandeurs comme nous. Ok, on a bien compris le parallèle, mais nous, on est censé accoucher de quoi exactement? Du bac. Ouais, bon, bah, dans ce cas-là, on va s'y remettre. J'ai une contraction cérébrale. Allez. Les examens du bac blanc ont donc lieu en salle PQ. Ayez l'obligeance de consulter les listes accrochées dans le préau. Aucun retard ne sera toléré. Pour atteindre la cime des arbres, il faut viser les étoiles. Pour atteindre la cime des arbres, il faut viser les étoiles. Je suis en bas de la montagne, mais j'ai pris le piolet. Il me reste plus qu'à grimper. Qu'est-ce que vous attendez pour rejoindre vos classes, David et Jonathan ? Pour atteindre la cime des arbres, il faut viser les étoiles. Ok, je suis en bas de la montagne, mais j'ai pris le piolet. Il me reste plus qu'à grimper. Allez ! Putain, je me sens pas bien, je crois que je suis en train de perdre les os. Oh mon Dieu, il perd les os. Vous avez le culot de venir me narguer en fossilisant dans ma cour un jour de bac blanc. Est-ce que vous avez conscience d'être en train de battre tous vos records de conneries? Mais non, Madame Vergniaud, vous comprenez pas, en fait, on se mettait en condition. C'est juste Lim, il est un petit peu trop ventilé sur sa glande. Ah bah c'est ça, continuez à ventiler vos glandes. À ce train-là, vous risquez l'exclusion sur plusieurs générations. Mais non, mais on se met en condition de femme enceinte, Madame Vergniaud, vous comprenez? Non, et je ne veux pas. C'est quoi? C'est l'odeur. Ah non, ça c'est Slim, il pensait qu'il avait perdu les os, mais en fait, il a juste oublié d'aller aux toilettes. Ah d'accord, ouais. C'est plus grave que ce que je pensais. Je vais appeler vos mamans, elles vont venir vous chercher. Elles vont être fières de nous, c'est sûr. Allez Slim, respire, souffle, souffle. Je veux des fraises. Ouais, souffle. Je vous les rends. Hydratez-les bien, la perte des os, ça assèche. On aura tenté, hein. Ça te fait rire, toi?